Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie le Seigneur de ce qu'il nous donne aujourd'hui de vivre, premièrement, d'être vivant et de le connaître. Et je souhaite partager un témoignage de ce que j'ai vécu hier soir, on va dire hier après-midi. Et ça m'a beaucoup choqué, beaucoup marqué. Et voilà pourquoi je voudrais nous partager ça, parce que mon cœur a été vraiment attristé de vivre ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu entendre, venant de personnes qui se disent chrétiens. Seigneur, Papa, que tu puisses prendre, Papa, ce partage entre tes mains, que tu puisses, Papa, purifier, Papa, mes lèvres, Papa, afin que tu puisses dire ce que tu veux dire, Seigneur Yeshua, selon ta parole, selon la vérité, selon l'amour que tu as pour les humains. Cet amour qui ne s'éloigne point de la vérité, car tu es cette vérité. Alléluia, Père. Pardonne nos fautes encore, nos iniquités. Garde-nous dans ces temps de la fin, Seigneur, où les ténèbres, Seigneur, s'accroissent, où l'amour, Papa, du plus grand nombre se refroidit, Seigneur. Ô Père, que ton Saint-Nom soit glorifié. Amen. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais parler de ce qui m'est arrivé hier après-midi. Donc hier, j'ai eu à la pensée de sortir évangéliser. Donc dans une gare, la gare de Rony, pour ceux qui connaissent, en 93. Et qu'est-ce qui va se passer? En allant là-bas, alors je me suis mis à prêcher l'évangile ouvertement. L'évangile de la croix de notre Seigneur, de ce qu'il est venu faire sur cette terre, et bien sûr, la repentance. Parce que, comme on voit dans la parole, dans Marc 1, le commencement de l'évangile, c'est la repentance. Et donc, en prêchant la parole du Seigneur, en parlant, j'ai vu un groupe de personnes qui travaillaient pour l'UNICEF. Et je vois cette jeune fille qui était au téléphone, apparemment, avec ses écouteurs, et en parlant de l'œuvre du Seigneur, de la croix, de la repentance. Je l'ai vu me regarder, et moi aussi je lui ai dit que le Seigneur l'aime, que Jésus-Christ l'aime. Et j'ai continué à prêcher la parole, à parler. Et un moment après, cette jeune fille vient vers moi et elle me dit: excusez-moi, monsieur, je vous entends parler. Et moi aussi je suis jeune, hein, il n'y a pas de problème. Donc elle a engagé une conversation avec moi, me disant qu'elle aussi, elle est chrétienne. Elle aussi, elle est chrétienne, tout ça. Elle me dit qu'elle était évangéliste, tout ça. Moi, j'ai dit qu'effectivement, moi, je suis juste un enfant du Seigneur, parce que je n'appartiens à aucune dénomination. Je crois juste que je suis un enfant du Seigneur. Et elle me disait: oui, mais voilà, moi aussi, je suis chrétienne, et je vous ai entendu évangéliser. De la manière dont vous avez évangélisé, ce n'est pas comme ça qu'on évangélise. Je lui dis: ah bon? Pourquoi? Et elle me dit: oui, parce qu'en gros, en fait, il ne faut pas parler comme ça, en gros, devant les gens. Il ne faut pas, en gros, parler du péché devant les gens. Il ne faut pas parler de l'enfer non plus devant les gens. Et elle me disait qu'aussi, il ne faut pas parler de la fin des temps. Or, Le Seigneur est venu pour délivrer les hommes du péché. Si Yeshua, Jésus-Christ, est venu sur terre, il faut que les hommes comprennent qu'il est venu pour leur péché. Et cette jeune femme, en fait, me disait, non, 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 il ne faut pas parler de la fin des temps, il ne faut pas parler du péché, et il ne faut pas parler de l'enfer. Et elle a commencé à m'enseigner, et moi je l'ai écoutée, elle voulait m'enseigner, elle a commencé à m'enseigner, non, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, Jésus est venu pour prêcher l'amour, que Jésus est venu et il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. » Donc là, elle me disait « Voilà, car Dieu a tant aimé le monde. L'évangile commence par l'amour. » Donc je lui ai dit « Effectivement, ce que vous dites est vrai. Mais pourquoi Jésus est venu sur cette terre? » Et elle m'a dit, ben oui, il est venu pour marcher sur cette terre. En gros, voilà, ce qu'elle voulait me faire comprendre, c'est, voilà, il est venu pour montrer l'amour, l'amour du Créateur. Je lui ai dit, effectivement, mais en faisant quoi? Et elle m'a dit, ben oui, ben au final, ouais, ben en allant à la croix, tout ça. J'ai dit, d'accord. Donc, il est allé à la croix, pourquoi? Et elle a fini par avouer que c'était pour sauver les hommes du péché. Et au début, elle tournait autour du pot. Donc, je lui ai dit qu'effectivement, donc, si le Seigneur est descendu de son trône, c'est à cause du péché. La Bible dit que Jésus-Christ est mort, est venu, il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Donc, ça veut dire que si l'homme n'avait pas de péché, le Créateur ne serait jamais descendu de son trône sous le nom de Jésus pour sauver l'humanité du péché. Donc le Créateur s'est fait chair à cause du péché. Et il est ressuscité à cause de notre justification. Donc on voit que l'être humain avait péché et la Bible dit que nos péchés nous séparent. Nos iniquités nous séparent en fait du Créateur. Et voilà pourquoi Jésus est venu. Et si le Créateur est venu, c'est parce que l'homme avait perdu son identité de fils. L'homme avait épousé l'identité de la désobéissance, l'identité du péché. Et il fallait que le Créateur, il n'était pas obligé, mais dans son plan parfait, vu qu'il savait que l'homme était corruptible, il est venu lui-même. Et il a pris nos péchés sur lui. Il est allé sur cette croix de Golgotha. Il a souffert à cause de nos péchés, passés, présents et futurs. Il a porté le poids du péché de l'humanité. Et il a crié sur la croix. La Bible dit qu'il a crié sur la croix. Eloi, Eloi ou Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tellement le péché était terrible. Le poids de ce péché était terrible. Et lui, n'ayant pas péché, a pu nous justifier parce que son sang était pur de ce péché, mais il a porté sur lui. Donc, voyez tout ce que le Créateur a éprouvé pour que nous soyons libérés aujourd'hui du péché par le moyen de la foi. Et ça, c'est la justice du Créateur. Et la Bible nous dit que la loi est bonne. Parce que la loi est un pédagogue. Mais la Bible nous dit que la loi est bonne. Et que la grâce, en gros, n'annule pas la loi. Mais la grâce est venue accomplir cette loi qui nous condamnait. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que, pour terminer ce témoignage, Cette jeune fille, c'est quand je lui ai proposé de lire Marc 1, donc elle a pris sa Bible et je me suis étonné qu'elle lisait la même version que moi. Donc elle avait beaucoup de connaissances. Et, mais elle, ce qu'elle m'enseignait, c'était un message basé sur l'amour, cet amour-là que certains ont appelé la super grâce. Mais moi, je n'appelle même pas cet amour-là la super grâce. Moi, ce que j'ai vu, c'est une forme d'un amour camaraderie avec le Créateur. Camaraderie, un amour de camaraderie. Et le Créateur n'est pas notre camarade. Le Créateur, c'est le Créateur. C'est lui qui a tout créé. Nous qui sommes petits comme des fourmis sur cette terre, lui, là, il a créé toutes les planètes et il dit qu'il tient l'univers entre ses mains. Que l'univers ne peut le contenir, du moins. Et aujourd'hui, beaucoup prennent l'œuvre du Créateur, cette œuvre de la croix, comme une œuvre, en fait, qu'on peut mépriser. À un point qu'on peut même être chrétien et puis ne pas se rendre compte de notre état. De l'état dans lequel le Créateur nous a sortis, dans l'état dans lequel lui-même s'est mis sur cette terre afin que nous ayons part à l'héritage de son fils, Yeshua Mashiach, afin que nous ayons part à l'héritage du royaume des cieux. Et ça, je vous dis la vérité, ça m'a fait mal. Je me suis dit que nous sommes à la fin des temps. Et quand je vois que une chrétienne, un chrétien, parce que c'était une femme, hein, une jeune femme, un chrétien qui me dit de ne pas prêcher la fin des temps, il ne faut pas prêcher ça aux gens, il ne faut pas prêcher sur le péché, il ne faut pas prêcher sur l'enfer, je me dis, waouh, quel évangile nous avons reçu dans ces derniers temps. Quel évangile nous avons reçu? Quel enseignement nous avons reçu? Beaucoup parlent en ce temps d'un amour qui est prêt, limite, à se compromettre en fait avec le péché. Je me souviens que cette jeune femme m'a dit carrément, non, le Seigneur n'est pas venu condamner les gens, donc il ne faut pas parler du péché en gros. Voilà. Parle que de l'amour du Seigneur. Parle que de l'amour du Seigneur. Jusqu'à prendre deux de ses collègues musulmans pour leur demander, qu'est-ce qu'ils ont ressenti quand j'ai prêché. Donc un chrétien, lors d'une évangélisation, rencontre une chrétienne qui va vouloir discréditer la parole du Seigneur. Discréditer l'œuvre de la repentance. Discréditer que nous sommes à la fin des temps. Discréditer que le péché ramène les hommes en enfer. Que l'enfer existe. Ça, c'est un danger. Ça, c'est un faux évangile. Que beaucoup de chrétiens dans cette fin des temps ont adopté. Un évangile qui couvre le péché. Un évangile qui se compromet, qui comprend. Et beaucoup, mes amis, pensent que Jésus-Christ, aujourd'hui, les hommes, quand on entend un évangile dilué comme ça, beaucoup d'hommes pensent que Jésus-Christ comprend le péché. Que Jésus-Christ, c'est un petit Jésus, encore dans les bras de sa maman. Beaucoup pensent, ça amène beaucoup à penser que Jésus-Christ, c'est encore un Jésus qui est sur une croix imaginaire. Beaucoup ne connaissent pas réellement l'œuvre de la croix. Beaucoup n'ont pas reçu le poids de cette œuvre dans leur cœur pour le salut de leur âme. Beaucoup pensent que quand ils ont accepté Jésus, c'est fini, ils sont sauvés. Je peux recommencer dans la cigarette. Je peux me masturber, c'est pas grave, comme j'ai accepté Jésus. Je peux vendre de la drogue. Je peux frauder un petit peu, pas beaucoup, mais je serai sauvé. Je peux avorter, mais le Seigneur va me comprendre. Je peux mentir, mais nous sommes tous pécheurs quand même. Jésus me comprend. J'aimerais nous rappeler l'œuvre véritable de la croix. L'amour du Créateur, c'est quoi? C'est que nous étions morts dans nos fautes et qu'il est venu pour nous délivrer de la puissance du péché, du malin qui régnait dans nos membres. Car nous étions morts et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Comment ne pas dire aux êtres humains ouvertement que les œuvres du péché ramènent les gens en enfer? Que quand ils pratiquent le péché, ils risquent l'enfer et que Jésus-Christ est la porte de sortie. C'est ça le message de l'Évangile. Que Jésus-Christ leur tend la main. Et je crois que quand le Seigneur envoie ses enfants pour parler de lui comme ça, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour montrer la solution. C'est les œuvres des ténèbres qui condamnent les êtres humains. Mais Jésus n'est pas venu condamner. Jésus est venu pour destituer l'être humain du péché par la foi, par le moyen de la grâce qu'il nous accorde aujourd'hui. Et quand un être humain meurt, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit qu'après le jugement, après la mort, vient le jugement et qu'il y a deux lieux après la mort, l'enfer ou le paradis. Et que le temps que nous avons sur terre, c'est un temps pour choisir là où nous allons aller. Or, personne ne peut aller au paradis au ciel que par la porte du ciel. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashiach. Voilà le message de l'Évangile. L'Évangile ne doit pas être dilué. Et pour revenir à ce témoignage que j'aimerais donner, cette chrétienne de nom a voulu carrément me changer le message de l'Évangile en me prêchant la parole elle-même. Elle s'est mise à me prêcher la parole. Et je lui ai dit, mais je vois que tu connais bien la parole. Ben, ce serait bien que tu fasses de même au lieu que nous sommes en train de discuter alors qu'il y a plein de personnes qui passaient. Ce serait bien que toi aussi tu prêches. Et elle m'a dit, ben tous les jours qu'elle prêche, elle prêche le message. Elle prêche en gros l'évangile super grâce en fait. Cet évangile amour, 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 qui ne ramène pas les gens à prendre conscience de leur état. Un évangile qui permet aux gens de se conforter en fait dans leur état. C'est-à-dire, Jésus est amour, viens à Jésus tel que tu es. Viens à Jésus tel que tu es, d'accord? Mais il faut que tu saches qui n'aime pas le péché. C'est ça le vrai évangile. Et cette jeune femme a voulu m'enseigner par A plus B que non, c'est l'amour qu'il faut prêcher. Et j'ai dit, ben oui, je prêche l'amour du Créateur en disant toutes ces choses parce que c'est un package l'amour. Je prêche l'amour du Créateur. Et ce qui va se passer, c'est que je remarquais que à chaque fois qu'il y avait beaucoup de personnes qui descendaient des trains où je devais parler, c'est à ce moment-là qu'elle me retenait en fait pour me parler, J'ai vu que cette discussion commençait à être tendue et que ça ne servait à rien de continuer parce qu'elle voulait tout le temps avoir raison. Je l'ai beaucoup écoutée, mais elle avait du mal à m'écouter. Alors je lui ai dit, écoutez, mais je vois on ne se comprend pas par rapport à la parole, que je vais continuer à faire ce que je faisais. Je vais continuer à prêcher la parole, de m'excuser. Et vu qu'il y avait beaucoup de monde, elle voulait m'empêcher. Donc, je n'ai pas compris tout de suite. Mais elle voulait littéralement m'empêcher de continuer à partager la parole. Et je vous dis la vérité, je lui ai dit simplement, je vais couper court avec vous, je suis désolé. Et j'ai commencé à crier à nouveau, à parler à haute voix à nouveau. Parce qu'il y avait beaucoup de passants qui sortaient de la gare, j'étais sur un parking. Donc cette jeune fille était au travail. Il y a un élément que j'ai pu oublier, c'est qu'elle était au travail avec des collègues qui étaient musulmans. Et elle a appelé un des collègues musulmans et elle lui a dit, voulant me discréditer, elle a dit, ben, quand tu l'as entendu prêcher, qu'est-ce que toi tu as ressenti? Et son collègue lui dit, c'est vrai qu'il a parlé de certaines choses qui ont, ouais, en fait, qui sont vraies. Je vois la fermeté dans ce qu'il dit. Je vois que cette fermeté et voilà quoi. C'est vrai que c'est, en fait, il disait que waouh, c'est vrai que c'est quand même, voilà quoi. Il parle vraiment quoi. Il faisait dire que ce qu'il dit c'est vrai, mais waouh, il dit ça avec une telle, on va dire véhémence, avec une telle, comment dirais-je, en langage courant, ben, une telle assurance, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, cette chrétienne dit à son collègue, « Ok, d'accord, donc c'est ce qu'elle voulait entendre. » Et le collègue lui dit, « Mais ?» Je lui dis, « Oui, mais quoi ?» Et ce collègue lui dit, « Mais ce qu'il a dit là, c'est bon, c'est une bonne chose. » Donc ça là, j'ai dit, « Waouh, elle ne voulait pas entendre ça, cette chrétienne. » Donc son collègue est parti, elle a appelé un deuxième collègue qui était musulman, et elle lui dit, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as ressenti quand il parlait? Et ce collègue dit, ben, moi je suis un musulman pratiquant et ce que moi je vois, c'est que ce qu'il a dit, c'est vrai en fait, c'est vrai. Mais un seul truc il disait qu'un seul truc qui l'avait dérangé, c'est que moi je disais que c'est Jésus en fait, j'ai parlé de Jésus. Et, mais cette chrétienne commençait à être confuse et... donc je me suis retrouvé à parler avec le musulman, à l'évangéliser aussi. Et elle ne voulait pas que je parle aux musulmans. C'était impressionnant, je ne comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas que je parle aux gens. Elle me bloquait en fait. Et vous allez savoir pourquoi, ce qui s'est passé. En continuant et en lui disant que maintenant je coupe court avec elle, j'arrête de parler. Pour pouvoir parler aux passants. Quand j'ai commencé à parler à nouveau, j'ai commencé à présenter le royaume, j'ai commencé à dire aux gens que nous étions à la fin des temps, qu'il fallait se repentir du péché pour être sauvé, que Jésus-Christ était à la porte, que Jésus leur tend la main pour être sauvé. Cette fille, cette femme, cette jeune femme, eh ben, ce qu'il y avait en elle, qui n'était pas du Seigneur, s'est réveillé. Elle qui m'enseignait depuis l'amour, eh ben, elle est venue devant moi et elle me dit, vous arrêtez tout de suite de parler avec une telle autorité. Je vous dis, j'étais surpris. Là, j'ai vu que, oulala, il y a un problème. Et elle est venue à côté de moi comme si elle voulait me taper. Parce que je prêchais l'évangile du Seigneur. Parce que je prêchais aux gens que nous sommes à la fin. Parce que je prêchais aux gens que le péché ramène en enfer. Et parce que je prêchais aux gens que l'enfer existait. Et que Jésus lui tend la main, eh ben, elle n'était pas contente. Celle qui m'enseignait, c'était quoi l'amour, s'est retrouvée à presque limite à vouloir me taper. Et j'ai vu que dans cet évangile qui est beaucoup prêché en ce temps, l'amour, je me suis dit, mais comment quelqu'un qui soi-disant avait l'amour, à l'amour dans son cœur, peut vouloir, en fait, me taper. Je dis, oula, il y a un problème. J'ai continué à parler de la parole du Seigneur. Et je lui ai fait comprendre qu'elle aussi, elle devait se repentir. Parce que sa réaction, c'était une réaction, en fait, qui vient du malin. La haine. Et elle m'a dit que ces lieux-là, eh bien, c'est, voilà, parce qu'elle est travaillée avec l'UNICEF, elle m'a fait comprendre que ces lieux-là, ils ont loué ces lieux-là. Et pourtant, nous sommes sur une place publique. Et qu'en fait, et elle voulait carrément appeler des collègues à elle musulmans pour me faire sortir, en fait, de là. pour me faire sortir de là où j'étais, tout ça pour... Et j'ai dit, waouh, c'est fort. Elle s'est énervée, elle s'est déchaînée, une colère noire. Je vous dis la vérité. Chrétienne, soi-disant. Avec un message édulcoré, soi-disant de l'amour, mais ne représentant pas le message qu'elle avait. Donc on voit que l'amour, ce n'est pas que d'en parler, il faut la vie. Et l'amour, c'est un fardeau qui vient pour délivrer le pécheur de sa condition. C'est comme si je vais au docteur et que je sais que j'ai une maladie à la jambe, une gangrène par exemple, qui gonfle ma jambe, que j'ai du pus dedans, et je sais qu'est-ce qui a provoqué ces choses-là, mais moi, quand j'arrive devant le docteur, moi, je cache ça, je ne le dis pas. Je ne dis pas au docteur que je souffre de la jambe. Et que le docteur lui-même, il ne m'aide pas. Il ne me dit pas que non, 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 en fait, monsieur, vous avez un cancer à la jambe. Il ne me dit pas que vous avez une gangrène. Lui, il fait comme si, ben moi aussi, je ne sais. Lui aussi, il ne sait pas. Non, non, non. Je vais prendre un verset pour parler de ce que je dis. C'est dans Proverbe 16, verset 6. La Bible nous dit, par la miséricorde et la vérité, on fait la propitiation de l'iniquité. Et par la crainte de Yahweh, on se détourne du mal. Donc là, ici, dans ce proverbe, on voit que la première chose ici, on nous parle de la miséricorde. Et en faisant mes recherches, je suis allé regarder. La miséricorde, c'est la bonté. On peut voir ici la bonté du Créateur envers l'être humain qui périt. Il n'y a pas de problème, cette faveur imméritée. Et quand je suis allé chercher ce mot, j'ai vu que ce mot-là voulait dire aussi la honte. La honte. Donc, devant la miséricorde du Seigneur, de notre Créateur, devant l'amour qu'il a eu pour nous, automatiquement, nos cœurs, en fait, nos cœurs vivent une honte, c'est-à-dire une honte par rapport à notre condition. Quand on comprend l'amour du Seigneur, on commence à avoir honte, honte de nos péchés, de notre état. C'est ça l'amour du Seigneur. Quand l'amour du Seigneur vient, on se rend compte de son état. Et pour se rendre compte, eh bien, il faut qu'il y ait la vérité. Et la Bible nous dit, par la miséricorde et la vérité, on fait la propitiation du péché, ou l'expiation, ou encore l'apaisement. Donc, avec la miséricorde du Seigneur, et la vérité c'est quoi? C'est de nous dire que si tu meurs dans l'avortement, dans la triche, dans le mensonge, dans la fornication, dans la masturbation, dans toutes ces choses, tu iras malheureusement en enfer. Tu seras, en fait, la colère du Créateur est sur toi. Mais si tu crois en Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité à cause de ton péché et à cause de ta justification auprès du Créateur, tu seras sauvé. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi ne sera pas condamné. Mais celui qui ne croit pas en moi est déjà condamné, car la parole qu'il entend le condamne déjà. Vous voyez ? Et aujourd'hui, là, il y a comme un refroidissement des chrétiens. Et le Seigneur dit que dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y a un refroidissement qui est là au niveau de l'amour pour Elohim. Parce que l'amour pour Elohim ne peut pas être dissocié de la vérité. Parce qu'il est la vérité. Et la Bible dit qu'il est amour. Donc l'amour, c'est la vérité. L'amour ne se compromet pas. L'amour couvre une multitude de péchés, mais dans la vérité, il faut que ce péché soit exposé, que ce péché soit regretté par celui qui le pratiquait. Pour qu'il y ait expiation, pour qu'il y ait pardon. Et on va prendre un autre verset. 2 Corinthiens, verset 13. Nous dit que « Car nous n'avons pas de pouvoir » contre la vérité, mais pour la vérité. Waouh! Paul va dire que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Donc, quand on commence à cacher les choses, on se compromet. Donc, si j'écoutais cette jeune femme, il fallait cacher le péché des gens. Il ne fallait surtout pas parler du péché, ni de la fin des temps, ni de l'enfer. Est-ce que ça, vraiment, c'est l'amour? Toi qui es chrétien, toi qui écoutes ce partage ce soir, dis-moi, toi qui écoutes ce témoignage, regarde en toi. Regarde à ce que Yeshua, Jésus-Christ, a fait dans ta vie. Regarde toutes les fois il t'a sorti du péché. Combien de fois il t'a montré dans quel péché tu étais. Et dis-moi si ce message est du Seigneur. Attention à ce message qui veut nous faire de nous des camarades avec le Créateur. Qui veut nous faire oublier l'amour véritable du Créateur, qui inclut la repentance des œuvres mortes. L'amour véritable du Créateur qui a souffert, qui a eu une couronne d'épines, qui a été percée sur le côté à cause de nos péchés. Aujourd'hui, on veut caresser le péché. On veut dire non, il ne faut pas trop dire ça aux païens parce qu'ils ne comprennent pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Elles, ils ne comprennent pas. Ah bon? L'être humain a plus de tabou aujourd'hui. Nous sommes dans une génération qui est où le péché est à son paroxysme. C'est pire que Sodome et Gomorrhe. Ce Créateur qui est si miséricordieux n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe, mais il a épargné un juste qui vivait dans cette ville. Et encore, il fallait qu'un autre juste prie pour lui, pour qu'il soit épargné. Donc on voit que le Seigneur ne comprend pas l'iniquité, il ne comprend pas le péché. Ce qu'il comprend, c'est sa justice. L'œuvre de la croix, véritable. La prédication de l'évangile véritable qui ramène les hommes à la repentance, au retour au Créateur. Et on va voir que le Créateur n'a pas changé. Et Paulos a dit que nous n'avons de pouvoir que pour la vérité. Parce que celui qui pêche, eh bien, il fait mal au Créateur. Voilà pourquoi le Créateur est attristé. Le Créateur est triste de voir des hommes qui partent en enfer sans avoir entendu la vérité. Et nous, on va leur prêcher une partie de la vérité. Jésus t'aime. Mais en gros, ce Jésus t'aime là, ça veut dire quoi? Continue dans ton péché et il te sauvera? C'est faux. Si quelqu'un qui m'entend ce soir est dans cette situation, j'aimerais te dire que ton Créateur veut que tu te repentes sincèrement afin que tu sois sauvé. Ne fais pas l'erreur de prendre l'amour de Jésus comme une super grâce qui va te sauver malgré tes iniquités. La plupart des religions prônent ce côté où non, Dieu nous comprend parce que nous sommes tous pécheurs de toute façon. Non, non, non. Ton Créateur a le pouvoir de te libérer du péché. Et ce pouvoir se trouve en Jésus-Christ. Vois toi-même la grandeur de son amour à travers ce qu'il fait pour toi. La repentance. C'est ça le début de la foi en Jésus. C'est ça le début de la marche avec Jésus. Et c'est ça aussi la continuité de notre marche. Parce que nous péchons des fois là, même inconsciemment, nous péchons. Et quelqu'un qui a accepté le Créateur, il est tellement grand qu'on se retrouve à lui demander pardon tous les jours, à nous repentir tous les jours. Bien que son œuvre soit parfaite, voyez la grandeur de notre Créateur. Il faut le craindre, ce Créateur. On a lu tout à l'heure que... On a lu un passage tout à l'heure qui disait « Et par la crainte de Yahweh, on se détourne du mal. » Donc, quand on rencontre le Seigneur, on commence à éprouver cette crainte. Cet amour-là nous amène à la crainte du Seigneur. Et le Seigneur peut utiliser la crainte, c'est-à-dire un jugement, et on va le voir tout à l'heure, dans un passage, le passage de Jonas. La crainte du Seigneur nous ramène à l'humilité. Et cette humilité nous ramène à une tristesse selon le Créateur qui introduit notre salut aussi auprès de lui. Ça introduit une repentance à salut par laquelle le Créateur prend plaisir afin de nous donner gratuitement sa vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous allons prendre un passage dans Yona, qui est un prophète d'Elohim, qui a été envoyé vers une ville. Voilà comme ça nous arrive d'être envoyé par le Seigneur vers une ville et pour parler selon comment l'Esprit nous conduit. Et si on parle, c'est parce qu'il y a un fardeau que le Seigneur dépose sur nos cœurs. Ce n'est pas par plaisir. On ne peut pas, c'est-à-dire enseigner aux gens comment évangéliser. Ce n'est pas possible. Parce que c'est l'Esprit qui va dire, en fait, ce qu'il veut en fonction du lieu dans lequel nous sommes, en fonction des cœurs qui sont dans ce lieu-là, selon comment le Seigneur veut parler à ses enfants, veut parler à ses créatures. On ne peut pas conduire une évangélisation, c'est pas possible. C'est l'Esprit qui nous dit ce qu'il faut dire à l'instant même. Parce que l'évangélisation, là, c'est par l'Esprit. Ce n'est pas par une forme de connaissance. Sinon, tout le monde pourrait évangéliser, mais très peu de cœurs seraient touchés. Ben oui. Bien que le Seigneur nous a, dans la Bible, nous voyons comment les apôtres ont évangélisé. Nous voyons comment le Seigneur lui-même a évangélisé et criait devant les foules, « Repentez-vous, car le royaume d'Élohim est proche. Repentez-vous. Repentez-vous, changez de voie, changez, sortez du mal. » C'est ça, repentez-vous. Et le Seigneur Yeshua lui-même disait ces choses. Waouh! Et nous, aujourd'hui, on nous dit non. Il faut parler de l'amour du Seigneur, l'amour. Oui, mais la repentance, c'est le commencement. C'est le commencement d'une belle histoire avec Yeshua. L'histoire de son amour pour nous. C'est dans cette humilité de repentance que Yeshua dépose la vérité en nous. C'est dans cette humilité de repentance que Yeshua dépose son amour en nous. Car la Bible dit que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs. L'amour du Créateur est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et pour que le Saint-Esprit nous soit donné, il faut qu'il y ait la repentance. Oh oui. Et par nos bouches, par la bouche de celui qui évangélise, le Créateur lui-même va susciter dans les cœurs une repentance qui mène au salut. Mais si personne ne parle, que nous sommes à la fin des temps. Mais si personne ne parle que le péché ramène en enfer, mais si personne ne dit que l'enfer est réel, si personne n'annonce l'œuvre de la croix, ce que Yeshua a fait pour nous convenablement, pas à demi, qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Les gens viendront au Seigneur et seront baptisés dans l'eau, mais n'auront jamais connu le Seigneur. Parce que l'un des fruits, c'est la sainteté. L'un des fruits d'un enfant du Seigneur, c'est la crainte d'Élohim. Et j'ai vu une jeune femme devant moi qui était, excusez-moi du terme, nous ne sommes pas arrivés, mais orgueilleuse, parce qu'il n'y avait pas la rencontre avec le Seigneur. Et j'ai pu voir en elle cette vie de péché. Pourquoi je dis ça? Parce que, je vous dis la vérité, j'ai pu discerner qu'il y avait un esprit en elle. Un esprit, mes amis, impur, qui est venu se dresser contre la parole, l'évangile, qui m'a menacé, mes amis. Comment une chrétienne peut menacer un autre enfant du Seigneur qui prêche la vérité? Comment une chrétienne peut me dire d'arrêter de parler de la fin des temps? Ce n'est pas possible. Comment une chrétienne peut me dire d'arrêter de parler du péché? Ce n'est pas possible. Puisque normalement, tu es délivré du péché. Donc, tu comprends que le Seigneur veut délivrer les autres aussi du péché, les païens du péché. Comment une chrétienne peut me dire, j'appelle la police pour toi? Comment une chrétienne a pu appeler la police pour moi? Et je vous dis que Elohim est tellement grand, notre Seigneur Yeshua est tellement grand que quand elle a appelé la police pour moi, j'ai donné mon témoignage et elle a carrément donné en fait ma vie à la police. Elle a dit tout ce que j'avais dit et elle demandait à la police de venir, en gros pour m'arrêter. Et je vous dis qu'à l'heure où elle a appelé la police, même pas 5 minutes après, la police est passée devant moi, devant nous. J'étais en train de parler, de prêcher la repentance, de prêcher la croix aux hommes, le salut par la foi. La police est passée, ils m'ont regardé et ils sont partis. Donc le Seigneur lui-même s'est occupé de ce cas. Et je vous dis la vérité, j'ai été attristé de voir cette jeune fille se dresser contre l'évangile, bafouer l'œuvre de la croix, devant des musulmans, devant des païens. Et je vous dis la vérité, je me suis retrouvé à prêcher cette parole pour cette chrétienne, elle aussi. Et je lui ai dit que si elle ne se repentait pas de ce qu'elle avait fait, ça pouvait être pire, en gros, que ce qui peut arriver à un païen. Parce que la parole nous dit que le jugement commence par la maison. Et j'ai demandé au Seigneur de la pardonner, en fait. Je demande ça au Seigneur aujourd'hui, de pardonner cette personne. Parce que ça m'a fait mal, ça m'a beaucoup attristé. Je vous dis la vérité. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Je me suis dit, Seigneur, comment c'est possible qu'un chrétien puisse bafouer ton œuvre, l'œuvre de la croix? Comment est-ce possible qu'un chrétien, entre guillemets, parce que j'ai vu qu'il y avait un esprit impur, soit possédé? Comment ça se fait? Et j'ai compris que beaucoup étaient séduits par une forme de super grâce que le Seigneur accorde aux humains, étaient séduits par un message qui venait tout droit de l'enfer, avec qui même les démons pouvaient cohabiter. Quel est ce message de l'évangile avec lequel les démons peuvent cohabiter? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je nous invite à revoir les bases, les fondements de l'évangile, la croix. Revoir la sainte doctrine, nous revoir devant la vérité, la parole du Seigneur et non devant les hommes. Non devant ce qu'on a entendu un prédicateur dire, mais devant la Bible. Et voir qu'est-ce que la Bible dit. Et de prier, de voir, Seigneur, est-ce que le message que j'ai de l'évangile, est-ce qu'il est erroné? Est-ce qu'il a été un peu dilué? Ou est-ce que c'est vraiment le message pur que tu veux pour mon âme afin que je sois sauvé au jour où tu reviendras? Ça, c'est une question à poser au Seigneur. C'est le temps de faire la paix avec son Créateur réellement. C'est le temps de revoir les bases, les fondements. Car beaucoup ont perdu les bases, les fondements. Beaucoup ont perdu les fondements de l'évangile, le fondement de l'évangile. Yeshua, son œuvre, Elohim, ce qu'il est venu faire pour nous. Beaucoup ne tremblent plus devant la parole. Beaucoup se compromettent avec le péché, avec une forme de sagesse humaine. Parce que la Bible dit que la sagesse crie dans les carrefours, dans les rues. que le commencement de la sagesse, c'est la haine du mal. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous allons aller voir ce que Jonas, un prophète d'Élohim, un enfant d'Élohim, on va voir son message, le message que le Seigneur lui a donné, afin que le peuple de Ninive se repente. On va aller dans Yona, dans Jonas 3, pour ceux qui ont la BJC, Yona, à partir du verset 1. Et on voit tout de suite le titre, « Repentance nationale à Ninive ». Est-ce que notre Seigneur a changé? Non. Depuis Adam, depuis le péché d'Adam, il n'a pas changé. Il est miséricordieux, mais il attend de l'homme qui se repente pour le salut de son âme. Parce que sans repentance, il n'y a point de pardon. Je vous dis la vérité. Sans repentance véritable, il n'y a point de propitiation. Il n'y a point d'expiation des fautes. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à la repentance sincère. Parce qu'il connaît nos faiblesses. Voilà pourquoi il nous invite à la repentance. Voilà pourquoi il est venu dans ce monde. C'est pour clouer la chair dans laquelle nous avons des faiblesses à la croix. Et que nous faisons profession du salut par la foi de notre bouche et que nous croyons à l'évangile de notre cœur. Donc, Yona 3, à partir du verset 1, nous dit « La parole de Yahweh vint à Yona une seconde fois en disant « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Yona se leva et alla à Ninive. Donc là, on voit que Yahweh a parlé à Yona. Et Yahweh va lui donner un ordre de proclamer ce que je t'ordonne, pas ce que les hommes t'ordonnent, pas ce que tu connaissais avant, pas ce que tu connais, mais ce que moi je vais t'ordonner. Au verset 3, Yona se leva et alla à Ninive, suivant la parole de Yahweh. Or Ninive était une grande ville devant Elohim, de 3 jours de marche. Yona entra dans la ville et commença par y marcher toute la journée. Donc là, on voit que le Créateur a permis que Yona puisse constater lui-même, en marchant, l'état de cette ville. Yona lui-même, le Seigneur l'a envoyé pour proclamer des choses, mais le Seigneur lui a permis de constater, afin que le fardeau soit encore plus grand dans son cœur, afin qu'il puisse comprendre, voir de ses propres yeux ce que le Créateur lui-même voyait. Waouh! Et beaucoup pensent qu'aujourd'hui, que des vrais enfants du Seigneur sortent pour évangéliser, juste pour faire joli. Mon ami, si tu savais c'était quoi le fardeau du Seigneur, si tu savais c'était quoi ce qu'un enfant du Seigneur, qui est vraiment envoyé par le Seigneur, peut ressentir quand il voit des âmes qui périssent, quand il voit des villes plongées dans le péché, dans l'abomination, ce que le Seigneur peut lui faire ressentir. Yeshua, homme, disait, mon âme est triste jusqu'à la mort à cause du péché. Hébreux 12 nous dit, vous n'avez pas encore souffert jusqu'à lutter contre le péché, jusqu'à verser du sang, comme Yeshua. Donc le Seigneur n'aime pas le péché. Le Seigneur est les œuvres mortes, les œuvres de la chair, les œuvres du péché. Le Seigneur, notre Créateur, Jésus-Christ, n'aime pas le péché. Il ne comprend pas ces choses. Il souffre par rapport à ces choses. Il a souffert et il souffre encore parce que beaucoup de chrétiens ont amadoué le péché. Ils se sont compromis eux-mêmes. Ils ont laissé des esprits impurs rentrer en édulcorant la vérité. Et ça, c'est grave. Verset 4. Yona entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée. Il criait, la Bible nous dit, et disait, « Encore 40 jours, et Ninive sera renversée. » Donc là, on voit que la parole d'Élohim était dans sa bouche. Et qu'est-ce que la parole est venue faire? Dire, je suis amour, venez à moi, je suis amour. Ce n'est pas ce que Elohim a dit à Jonas de dire. Il a envoyé Jonas proclamer un jugement sur Ninive. Je vous dis la vérité. Parce qu'on a vu un verset dans Proverbe 16, verset 6, qui nous disait quoi? Par la crainte de Yahweh, on se détourne du mal. Et souvenez-vous que Jonas est allé là-bas pour crier à une ville entière. Il n'était pas venu pour parler à une seule personne. Il n'était pas venu pour dialoguer. Quand le Seigneur envoie un évangéliste, un prophète dans les rues, il envoie un de ses enfants, n'importe lequel, avec un message. Ce n'est pas pour dialoguer. C'est pour proclamer des choses sur une ville. Ce n'est pas pour faire joujou. Ce n'est pas pour faire joli. C'est une tristesse, c'est une douleur profonde que le Seigneur donne à ses enfants de ressentir pour pouvoir proclamer des choses qui sont des fois très dures. Autant le Seigneur peut nous permettre de proclamer la bonne nouvelle du royaume, mais le Seigneur, attention, le Seigneur est assis sur son trône et il règne. Et quand l'odeur du péché monte devant Elohim, nous ne savons pas comment son cœur est affligé, comment son cœur souffre pour cette ville, combien ce cœur souffre pour ces personnes qui partent en enfer. Parce que beaucoup de chrétiens de nom de cette génération n'ont jamais connu le fardeau du Père, le cœur du Père pour les âmes qui périssent. Beaucoup. Beaucoup n'ont jamais pleuré, gémi pour les âmes dans le secret. Beaucoup n'ont jamais ressenti cette tristesse. Voilà pourquoi aussi beaucoup parlent ou beaucoup ont oublié cette tristesse. Beaucoup sont égarés aujourd'hui parce qu'ils ont adopté un message qui ne leur permet plus de ressentir le cœur du Père pour les âmes qui périssent. Je vous dis la vérité. Parce que c'est une douleur. Quand Jérémie et Yoméa allaient crier aux oreilles de Yerushalem, bien que c'était un peuple qui connaissait la loi de Yahweh, on voit que Yoméa lui-même était affligé dans son cœur par rapport à tout ce qu'il voyait dans cette ville. Dans la lamentation de Yoméa, de Jérémie, lamentation de Jérémie, on voit comment le cœur de Yoméa était affligé, l'âme de Yoméa était affligée en voyant tout ce qui se passait dans cette ville. Parce qu'il faut comprendre que Yahweh donne son cœur, partage les choses de son cœur à ses enfants. Donc, les choses qu'un enfant du Seigneur peut dire quand il est envoyé quelque part, ce n'est pas pour se glorifier. Ce n'est pas pour rire, c'est parce qu'il y a un danger. Le Seigneur lui permet d'alerter la population parce qu'à plusieurs reprises déjà, il est venu parler et que les hommes n'ont pas entendu et que nous sommes à la fin des temps et que chacun devra rendre des comptes. Et ici, en particulier dans ce passage de Jonas, on voit que c'était déjà la deuxième fois que Yahweh parlait à ce peuple, à Yona du moins. C'était la seconde fois que Yahweh parlait à Yona pour y aller. Ça veut dire que ça pressait. Yahweh dit dans sa parole qu'il parle une première fois, une seconde fois et on n'y prend pas garde. Et Yahweh pressait Yona pour aller proclamer cette parole et qui était un jugement en fait sur ce peuple. Dans le seul but que ce peuple se repente et revienne au Seigneur. Waouh! Au verset 5, les hommes de Ninive crurent en Elohim. Donc, suite à ce jugement qui a été proclamé, le Seigneur a suscité en eux une repentance. Beaucoup ont cru. Ils se sont humiliés devant la parole qu'ils ont entendue. Parce que certainement, eux-mêmes voyaient leur état devant cette parole. Les hommes, au verset 5 de Ninive, crurent en Elohim. Ils publièrent un jeûne et se vêtirent de sacs, depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit. Et cette parole parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Donc, waouh! Et on sait que la cendre et le sac, c'était vraiment une position d'humilité, de repentance devant le Créateur. Même le roi s'est levé. Il a eu la crainte par rapport au jugement qui avait été annoncé. Et on va voir plus tard que le Seigneur, par sa miséricorde, est revenu sur son jugement. La parole dit au verset 10, « Et Elohim vit leurs œuvres. Ils revenaient de leur mauvaise voie. » Alors Elohim se repentit du mal qu'il avait dit qu'il leur ferait et ne le fit pas. Voilà ce qu'Elohim attend de nous. L'homme s'est repenti. L'homme s'est repenti avec le cœur et des actes qui prouvaient sa repentance jusqu'au bétail. Ils avaient privé le bétail d'eau. Parce qu'ils ont reconnu leur état. Ils ont tremblé devant le Créateur. Et le Créateur les a accordé la grâce. Voilà la porte que Yeshua veut que chaque être humain emprunte, la repentance. Mais aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Beaucoup ont dilué ce message. Et les hommes ne voient plus le péché. Ils ne voient pas ce qu'ils font. Quand tu dis à quelqu'un « Jésus t'aime » et que tu t'arrêtes là, la personne te dit « Je sais ». Mais quand tu commences à lui dire « Mais il n'aime pas ton péché » parce qu'il sait que ton péché te ramène en enfer. Son amour pour toi, c'est que tu te repentes afin que tu sois sauvé. Et quand le Seigneur permet que tous les péchés cachés des gens soient énumérés, les gens se rendent compte qu'ils étaient dans le faux et qu'il faut vraiment qu'ils se repentent. Il faut vraiment qu'ils reviennent à Yahweh et qu'ils arrêtent ce qu'ils faisaient. Voilà la vérité. Voilà l'évangile véritable. On va prendre un autre passage dans 2 Chroniques 7, verset 14. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'entendrai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai sa terre. Donc on voit encore ici qu'il y avait des conditions. C'est terrible, hein? Yahweh va dire, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué. Ça veut dire, même toi là, qui invoque Yahweh sur le nom de quelqu'un de ta famille, qui invoque Yahweh sur le nom de quelqu'un que Yahweh veut sauver. Parce que Yahweh dit qu'il veut sauver tous les êtres humains. Toi qui invoques Yahweh sur le nom d'une ville tout entière pour qu'elle soit sauvée. La Bible dit, s'il s'humilie, s'il prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies ou de ses péchés, c'est pareil, alors je l'entendrai des cieux. Donc on voit ici qu'on peut prier, c'est bien de prier, mais il faut que ce peuple-là, que cette personne-là pour qui on prie, on ne pourrait pas faire ce travail-là à sa place. Il faut qu'il s'humilie, il faut qu'il prie et il faut qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Il faut qu'il cherche la face d'Elohim. Il faut qu'il éprouve de la crainte dans son cœur. Il faut qu'il se repente du péché qui le condamnait. Parce que la loi est là pour nous rappeler nos iniquités. Et ceux qui sont en Yeshua ne sont plus sous la loi parce qu'ils ont demandé pardon pour leurs fautes. Ils ont reconnu leur état. Donc la loi est bonne. Parce que la loi, c'est par la loi que nous avons connu le péché. Mais la grâce nous en délivre. Quelle miséricorde du Créateur. Quelle grâce. À toi la louange, Seigneur, pour ce que tu fais. À toi la gloire, Papa. Papa, nous voulons réaliser tous les jours, Papa, ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas mépriser ton œuvre. Nous ne voulons pas mépriser ton sacrifice, Seigneur Yeshua. Ni pour un homme, Seigneur, ni pour un ange. Seigneur, nous voulons saisir ta parole, comprendre l'œuvre de la croix. Comprendre, Seigneur Papa, cet amour que tu as eu pour nous. Cette œuvre que tu allais accomplir une seule fois pour toutes, afin que nous soyons délivrés. Je m'étonne que beaucoup de personnes ne savent pas que à chaque fois qu'un chrétien tombe dans le péché, c'est comme si il renvoyait Yeshua à la croix pour lui. Et aujourd'hui, nous pouvons tomber facilement dans le péché. Nous sommes faibles, il n'y a pas de problème. Mais quand j'entends que des chrétiens tombent à tout va dans le péché, je me demande, ben, Seigneur, qui sera sauvé? Parce que la Bible dit qu'il est impossible pour celui qui a été illuminé une première fois, qu'il soit illuminé une seconde fois, parce que c'est faire revenir Christ à la croix, de nouveau. Je vous assure, je demande au Seigneur de ne jamais retomber dans le péché, parce que je comprends l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait pour moi, la souffrance qu'il a eue. Je ne veux plus replanter des clous dans ses mains. Je ne veux pas replanter des clous dans ses pieds. Quand je vois cette œuvre, je veux avoir du respect pour ce Créateur. Je veux avoir du respect pour ce qu'il a accompli pour moi. C'est ça l'Évangile. Je veux craindre ce Créateur qui m'a tant aimé, qui m'a tant aimé, alors que je ne le connaissais pas, alors que je pratiquais le péché. Quand je vois l'état dans lequel je vivais avant, des fois je demande au Seigneur, « Seigneur, pourquoi tu as permis que je fasse autant ? Pourquoi tu as permis que je sois dans la masturbation? Pourquoi tu as permis que je me vautre dans le péché? Pourquoi tu n'es pas venu me convaincre, me toucher tout de suite? » Mais le Seigneur avait un temps. Bien que je me suis beaucoup endurci, parce que je n'entendais pas la parole, mais il a voulu me sauver. Et aujourd'hui, je ne veux pas faire n'importe quoi avec ce salut. Je ne veux pas faire n'importe quoi avec la croix. Je ne veux pas retomber dans le péché, parce que c'est faire Christ redescendre du ciel. Et c'est faire Christ retourner à la croix. C'est faire Yeshua retourner à la croix pour moi. Or, c'est impossible. Donc, saisissons la grâce véritable. Saisissons, ayons du respect pour le Créateur. Éprouvons de ce profond respect. Honorons le Créateur pour cette œuvre qu'il a fait pour nous. En gardant ses commandements, David disait, « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et c'est ce à quoi le Créateur nous appelle. Qu'on a reçu l'amour de ce Créateur, c'est ce qu'on a envie de faire. On a envie de persévérer dans ces choses. Et ça, c'est important. Et je prie pour chacun de nous, comme si c'est pour moi-même, que nous puissions saisir la main du Seigneur et ne jamais la lâcher. Saisir la vérité, l'amour qu'il a eu pour nous. Saisir sa sainteté et ne jamais la lâcher. Et d'avancer année en année. S'il nous reste à vivre des années avant l'enlèvement ou avant notre mort, sans tomber dans le péché, sans retomber. Car il a dit que celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui se souille encore. C'est le temps de revenir à notre Créateur. Et par sa grâce, lui demander la force de nous soumettre à sa parole et de prendre toute la parole dans son entièreté. Pas ce qu'on pense être bon. Parce que la sagesse crie. Et nous sommes en temps de péché où, je vous dis la vérité, pour que le péché ne te couvre pas, chrétien, il faut que tu sois sûr de la vérité que tu as reçue. Pour que le péché n'est pas raison de toi, il faut le rejeter par la prédication aussi de l'évangile. C'est une arme qu'on a reçue. Ça fait partie des armes que nous avons reçues. C'est de proclamer la vérité à haute voix. C'est de dénoncer les œuvres du malin et non de les couvrir pour non, comme nous sommes dans un temps qui est difficile, il ne faut pas trop dire les choses. Mais quand je vois comment Pierre a parlé, quand je vois comment Étienne a parlé, on peut aller le voir, hein, parce que certains pourraient dire que non, mais il a parlé de l'ancienne alliance. On peut aller vérifier comment Étienne a parlé. Dans Acte 7, verset 51, comment Stéphanos, autrement appelé Étienne en français, mais Stéphanos en grec, donc Acte 7, verset 51. Donc Stéphanos leur dit, « Tête dure et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes tels que vos pères. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, dont vous êtes maintenant devenus les traîtres et les meurtriers. Vous qui avez reçu la Torah par l'ordonnance des anges et qui ne l'avez pas gardée. Mais en entendant ces choses, leur cœur était scié en deux et ils grinçaient des dents contre lui. Mais lui, étant rempli du Saint-Esprit et ayant les yeux fixés vers le ciel, vit la gloire d'Élohim et Yeshua se tenant debout à la droite d'Élohim. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils d'humain se tenant debout à la droite d'Élohim. » Mais criant à grande voix, ils se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent sur lui d'un commun accord. Et l'ayant tiré hors de la ville, ils le lapidèrent et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Shaul. Et ils lapidaient Stéphanos qui priait et disait, « Seigneur Yeshua, reçois mon esprit. » Et s'étant mis à genoux, il cria d'une grande voix, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Waouh! Donc là on dit, « Et s'étant mis à genoux, il cria d'une grande voix, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et quand il eut dit cela, il s'endormit. En gros, il mourut en fait. Donc là, on a vu comment Étienne, Stéphanos, comment l'esprit, il était rempli du Saint-Esprit et comment en fait il a parlé à ces hommes. Il n'a pas mâché ses mots. L'esprit là lui a fait dire des choses terribles. Il leur a dit carrément qu'ils sont devenus traîtres et des meurtriers. Vous voyez? Vous qui avez reçu la Torah par l'ordonnance des anges, en fait, Là, il va leur dire la vérité, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait. C'est quoi leur acte? C'est quoi l'intention de leur cœur? L'Esprit du Seigneur a révélé ces choses au grand jour. Et on dit, la parole dit que, mais en entendant ces choses, leur cœur était scié en deux. Donc on voit que la parole, là, c'est la vérité. Ce n'est pas des blagues. Hein? Leur cœur était scié en deux. Et il grinçait des dents contre lui. Donc au lieu de se repentir, comme certains ont pu le faire dans la parole, beaucoup se sont repentis. Parce que en Yeshua, on a la rémission des péchés. Donc quand le Seigneur expose le péché, ce n'est pas pour condamner, mais eux, ils se sont sentis condamnés. Et au lieu de s'humilier, ils ont fait quoi? Eh bien, ils se sont rebellés. Ils sont devenus, leur orgueil a pris le dessus et ils ont lapidé Étienne, qui était un homme juste, rempli du Saint-Esprit, sage. Et on voit que cet homme était sage, mais on voit que le Seigneur lui a... C'est dans cette sagesse-là qui est une sagesse spirituelle et non une sagesse. C'est une sagesse qui vient d'en haut. Hein. Ce n'est pas une sagesse selon l'homme. Il a dit les choses comme ça devait être dit, quitte à mourir. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on va nous dire, non, il ne faut surtout pas dire ça comme ça. Oh là là, tu manques de sagesse. Quand Yeshua, quand l'esprit de Yeshua là, agit en quelqu'un là, pour prophétiser, pour dire les choses, pour parler de la part d'Elohim, là, il n'y a pas, là, c'est, s'il faut mourir derrière là, eh ben, le Seigneur lui-même nous prépare pour mourir en fait, à cause de son nom, en rendant témoignage de la vérité, en gardant le caractère d'Elohim. Tout ça, ça fait partie en fait de la mission d'un enfant d'Elohim, de dire la vérité, avec des entrailles de miséricorde. Parce qu'on voit les entrailles de miséricorde, c'était de quoi? Après avoir dit la vérité à ce monde-là qui était là, ils l'ont lapidé et on voit qu'en mourant, qu'est-ce qu'Étienne a dit? Qu'est-ce que Stéphanos a dit? Au verset 60, et s'étant mis à genoux, il cria d'une grande voix, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » En gros, ne garde pas ce péché contre eux. Et quand il lui dit ça, il s'endormit. Donc, on voit ici la miséricorde qu'il avait dans son cœur. Mais pourtant, quand peut-être certaines personnes qui sont charnelles, certains chrétiens, ils allaient dire, mais pourquoi? Oh, lui là, il est... Oh, ce qu'il dit là, c'est pas bon, c'est pas l'amour ça quand même. Non, 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 non. L'amour là, c'est la vérité. On n'est pas plus amour qu'Elohim lui-même. On apprend l'amour au pied d'Elohim, l'amour véritable. Ce n'est pas un amour dilué. Faisons attention à ce qu'on enseigne aux enfants du Seigneur, aux futurs disciples du Seigneur, à ceux qui veulent suivre Elohim. Faisons attention aux enseignements qu'on leur donne, qui ne sont pas équilibrés du tout, qui poussent les gens à devenir carrément des espèces de sadducéens, de pharisiens, des gens qui s'accaparent d'une partie de la doctrine, voilà, et qui oublient l'autre. Faisons attention à ce qu'on enseigne. Je vais prendre encore un verset. Je vais prendre un verset dans... Alors, dans Proverbe, Michelet 28. Proverbe 28, à partir du verset 4. La Bible nous dit, Proverbe 28, à partir du verset 4, « Ceux qui abandonnent la Torah louent le méchant. Mais ceux qui gardent la Torah lui font la guerre. » Donc, on sait que Proverbe a été écrit selon l'Ancienne Alliance, mais la parole nous dit que toutes les Écritures sont bonnes. Pourquoi? Pour nous enseigner, pour nous reprendre, en gros pour nous faire aller sur la bonne voie, pour comprendre ce qu'Elohim attend de nous. Et là, on va dire que ceux qui abandonnent la Torah louent le méchant, la Torah ou la loi. Et on va voir dans le lexique biblique, qu'est-ce que louer, ça veut dire. Alors, lexique biblique. Alors, on va voir ce que ça veut dire ici, louer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le lexique biblique, c'est un site sur lequel on peut aller faire des recherches sur certains mots pour avoir la profondeur du mot. Et voilà, il suffit juste de taper un mot dans la barre de recherche ou de rechercher le mot à partir d'un verset précis. Voilà. Alors, donc là on a dit Proverbe 28, 28, hop, voilà, au verset 4, on va voir c'est quoi louer ici, là. Voilà, donc on voit ici se glorifier, briller, être vantard, faire des folies, agir comme un insensé, comme un fou. Donc il y a toute cette signification, il y a plusieurs sens, il y a le sens figuré je crois. Et on voit vanter, célébrer. Donc on va voir. Donc il dit, ceux qui abandonnent la Torah louent le méchant. En gros, célèbrent le méchant, vantent le méchant. Mais ceux qui gardent la Torah lui font la guerre. Donc aujourd'hui, on sait que la guerre n'est pas charnelle. La guerre, c'est contre les œuvres des ténèbres. Voilà, mentir, c'est une œuvre des ténèbres. Voler, c'est une œuvre des ténèbres. Et un enfant du Seigneur qui a été racheté par Yeshua, par la croix de Yeshua, ne peut se compromettre avec le péché. Et un enfant, un vrai enfant du Seigneur dénonce ces œuvres-là pour le salut de l'âme de la personne qui est en face de lui et pour le salut de son âme premièrement. Verset 5, Proverbe 28, verset 5. Les hommes mauvais ne comprennent pas la justice, mais ceux qui cherchent Yahweh comprennent tout. Waouh! Là, on nous dit que les hommes mauvais. Donc, si le cœur de quelqu'un est mauvais, il ne va pas comprendre la justice. Il va manipuler la parole pour avoir une forme de justice qui l'arrange. C'est ce qu'on appelle la religion ou la religiosité. Mais on dit que ceux qui cherchent Yahweh de tout leur cœur, ceux qui le recherchent, qui aspirent, eh bien, eux, ils comprennent tout. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit qu'il révèle, en fait, les choses cachées à ceux qui l'invoquent. Dans Yoméa 33.3, par exemple. Voilà. Et il dit qu'en fait, il révèle aussi les choses cachées à ceux qui l'aiment, qu'il a des choses qu'il a réservées pour ceux qu'il aime. Voilà. Donc ceux qui ont rejeté le mal pour lui, par sa grâce. Et on va prendre encore d'autres versets. Toujours dans Proverbe 28. Verset 9, on nous dit, « Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la Torah, sa prière même est une abomination. » Et beaucoup vont me dire, « Oui, mais c'est dans Proverbe, ça, maintenant on est sous la grâce. » Mais Jésus-Christ a dit lui-même, Yeshua a dit dans les évangiles, que il a dit exactement que, en fait, celui qui pêche, sa prière est dans l'abomination, en fait, aussi. Il a dit exactement la même chose là, que dans Proverbe. Voilà. Et au verset 10, « Celui qui égare les justes dans le mauvais chemin tombe dans la fosse qu'il a faite. Mais ceux qui sont intègres héritent le bonheur. » Je répète, « Celui qui égare les justes dans le mauvais chemin tombe dans la fosse qu'il a faite. » Mais ceux qui sont intègres héritent le bonheur. Et la parole nous dit de ne retirer aucun iota de la Bible, d'enseigner les choses telles qu'elles ont été écrites et de ne rien retrancher ni ajouter. Donc on voit que, en fait, l'évangile, c'est un package que le Seigneur nous donne pour que nous soyons instruits selon la saine doctrine, selon l'œuvre de la croix, et que nous ne revenons pas pour reposer à nouveau le fondement des œuvres mortes, toutes ces choses, la repentance, tout ça, le baptême, toutes ces choses là normalement ça doit être des acquis pour un enfant du Seigneur. Et un frère me disait, ça c'est une parenthèse, un frère en Yeshua me disait que il était étonné de voir un jour, parce qu'il posait à des chrétiens la question à savoir qui connaît la saine doctrine, c'est quoi la saine doctrine, et il me disait en fait que beaucoup ne savaient pas c'était quoi la saine doctrine. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et on parlait avec lui, on se disait, waouh, il faut vraiment que nous chrétiens là, on soit assis par rapport aux bases, aux fondements, à comment qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ça, c'est très important. C'est très important. Beaucoup disent, oui, c'est l'amour, mais c'est profond l'amour. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a donné. Donc, il y a un sacrifice qui a été fait. afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc on voit qu'il y a un danger, c'est le fait de périr, d'aller en enfer pour l'éternité, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, ici, il y a la bonne nouvelle. Donc on voit que c'est un package. Rien que dans Jean 3,16, déjà, on voit la profondeur, en fait, de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas une œuvre de surface. Yeshua, Jésus n'est pas notre copain. On doit revoir notre fondement, notre marche chrétienne. Donc, je vais lire un dernier verset pour terminer. Proverbe 28, verset 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. » Celui qui les confesse, qui les reconnaît et qui les délaisse, c'est ça la repentance, et qui les délaisse, qui n'en veut plus, obtient miséricorde. Waouh! Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. En gros, il ne va pas loin, il n'ira pas loin. C'est pas possible. Donc cet évangile de la super grâce, de la super je sais pas quoi, de la camaraderie qu'on aurait avec Yeshua, Jésus, là, c'est un faux évangile qui vient tout droit de l'enfer et qui invite les démons à manger à la table des chrétiens, dont il faut se défaire le plus rapidement possible et revoir les choses avec Yeshua et se repentir aussi. Si on a égaré d'autres personnes avec cet évangile, on doit se repentir et revenir réellement au Seigneur pour être sauvé, délivré. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. J'ai profité aussi de prendre un peu la parole par rapport à ce témoignage que j'ai pu raconter, parce que les temps sont mauvais et nous sommes à la fin. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne continuation avec Yeshua. Prions les uns pour les autres et cherchons la volonté du Seigneur, cherchons à marcher dans la pureté, dans la sainteté, telle qu'il convient à des enfants du Seigneur. Que Yeshua nous garde, nous ne sommes pas arrivés, le chemin est long, qui nous protège, qui nous fortifie dans ces temps de la fin et qui nous restaure de tout ce qu'on a pu entendre qui était erroné. Que toute la gloire soit pour notre Papa, notre Seigneur qui nous a aimés et qui nous aime et qui nous a préparé une place à ses côtés, qui nous permette de laver nos robes afin que nous soyons prêts pour l'enlèvement et que l'huile ne manque pas sur notre tête. Au nom puissant de Yeshua. Amen.